c'est une moitié de notre liste pour les futures élections communales. Vous avez fait le pas d'un engagement plus loin avec Écolo, nous vous en remercions, et d'autres nous rejoindront. Cette liste riche et diversifiée, ce projet pour hâte, nous le construisons ensemble avec vous. Chers amis, sympathisantes, membres, nous pouvons être fiers de nous. Ce début de liste est le signe d'un renouveau, pour notre belle ville d'Apt de demain. Il est temps de rentrer de plein pied dans le 21e siècle, de proposer nos solutions pour un monde plus juste et plus vert. Il est temps de proposer à nos concitoyens et concitoyennes une alternative crédible et tournée vers les générations futures. Oui, nous vivons une période difficile. L'avenir ne se présente pas comme étant tout rose et violette. Mais nous avons des projets et nous comptons sur le dynamisme de tous. Et comme le dit bien le poète Oderlin, là où croit le péril, croient aussi ceux qui s'ouvrent. Mener le combat pour une présence écologiste et écologique plus forte au conseil communal. Alors on pourrait évidemment chercher 3, 4, 5 qualificatifs pour caractériser la liste telle qu'elle se présente aujourd'hui. On pourrait dire qu'elle est équilibrée entre hommes et femmes, mais c'est une obligation légale. On pourrait dire qu'elle est pleine de diversité, mais c'est souvent le cas, qu'on essaye d'avoir un équilibre entre les villages, les villes, les faubourgs. Je pense que c'est aussi le cas. Moi, je retiendrai un terme essentiel, c'est motivé. Et pour, je crois, la troisième ou la quatrième élection communale que je vis à Hâte, en tout cas, je suis étonné effectivement de cette motivation et de la facilité que nous avons aujourd'hui à convaincre. On ne doit même pas convaincre, puisque vous êtes nombreux militants, membres, sympathisants ou extérieurs à faire une démarche vers nous aujourd'hui pour être présents sur la liste ou pour nous aider en n'étant pas forcément sur la liste en vue de ces élections du 14 octobre 2018. Je pense que les personnes qui sont ici sont vraiment motivées à aller vers la population, être à l'écoute de la population, les écouter, expliquer notre projet. Nous avons des candidats qui sont aujourd'hui fiers de porter un projet pour Hâte, et comme l'a dit Jessica, parce qu'ils sont aussi fiers d'être à toi et à toi. Alors cette liste, telle que nous vous l'avons présentée, elle a recueilli un vote unanime à plusieurs stades de sa constitution. Un vote tellement unanime à plusieurs reprises que ça pourrait en devenir même assez inquiétant. Pour un parti comme le nôtre.